Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2015 pour une nouvelle présentation de mode. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le CAS IH International 1255 XL. Donc très beau CAS. Donc on va tout de suite monter dedans. Donc alors, ce CAS est équipé d'une prise de force avant et arrière, d'un système d'échappement dynamique. Donc, comme vous pouvez le voir, attendez, voilà ici. Donc là, tout simplement en fait qu'il y a la fumée qu'on vous voit sortir du pot d'échappement. Le clapet d'échappement, il est lui aussi dynamique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite quand on va rouler. Il faut savoir que les créateurs de ce mode ont prévu de sortir une nouvelle version dès qu'ils le pourront. Avec bien évidemment deux nouveaux trucs dessus. Donc je pense qu'ils vont installer les portes qui s'ouvrent et tout. Enfin je pense que ça va être surtout des améliorations comme celle-ci. Donc alors... On va commencer. Donc déjà, alors la vue intérieure, elle est bien placée. Donc après, à l'intérieur, il n'y a pas énormément de détails hein, de fait. Donc vous pouvez le voir. Hein. Je vais regarder si le compteur ici, il fonctionne. Donc oui. Voilà, excusez-moi, il y a un petit bug. Voilà. Alors, le compteur à droite, il fonctionne. À gauche. Je sais pas c'est quoi à gauche et en face au milieu je sais pas trop. Donc par contre le seul problème sur ce mode c'est quand on se met en vue extérieure. Voilà en vue extérieure ce que ça donne. Donc je sais pas s'il a fait des modifications dessus et il a mal replacé la caméra, mais c'est assez chiant en fait. Donc par contre le fermier, donc regardez avec son petit chapeau de cow-boy et tout. Donc c'est vraiment bien fait, hein. Niveau design, ça ressemble à 100%. Hein. Après, je connais pas trop ceux-là, enfin cette catégorie-là de cases. Mais pour ma part, ça a l'air de ressembler suffisamment bien aux cases. Donc on va laisser la caméra comme ça pour l'instant. Donc alors les clignotants. À l'arrière ça fonctionne, à l'avant aussi. Tac, donc là normalement ça fonctionne aussi. Si je mets les deux, ça fonctionne. Donc hop, je vais vous faire écouter le bruit. Alors hop, voilà. Donc alors normalement, voilà 38-39 à peu près en vitesse maximale. Voilà, donc hop, on va se mettre sous différentes formes de vue. Donc là, regardez, les pneus arrière s'enfoncent légèrement. Les pneus avant, en fait, voilà, regardez. Tac, ça se soulève un peu si vous regardez bien. En fonction du terrain. Hop, voilà. On va tester le freinage aussi. Alors, hop, on se recule un peu. Voilà. Tac. Niveau freinage, c'est bon, hein, il freine bien. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette présentation de mode. Donc il y en a d'autres qui vont arriver très rapidement. Donc je mettrai bien évidemment le lien dans la description. Donc la description est assez longue. Donc pour ceux qui veulent, qui n'arrivent pas à trouver le lien dans la description, en fait, vous cliquez juste sur le petit plus en dessous de la description et elle s'ouvrira entièrement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye tout le monde.